Hey, jeune le teubé, bonjour. Tu sais pas, j'étais pas là. Hey, t'es teubé toi ou quoi? Oui, ben oui. Bon, va me chercher une clé à molette. Hey, monsieur, s'il vous plaît, tenez. J'ai demandé une clé à molette, qu'est-ce que tu me fais là? Ah pardon, j'avais cru que vous me disiez va me chercher de l'eau. Et c'est ça que t'appelles de l'eau? Ah ouais, pardon, j'avais pas bien vu. Je vous amenais des gâteaux, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est bon, ça va, c'est bon. Ouvrons-moi le capot de la Simca, je vais y jeter un œil. Vous êtes fous quoi? Et si vous jetez votre œil, ça va vous piquer après, hein? Comment vous allez faire pour revoir? Vous allez voir que ça? C'était fou! Mais t'es con quoi, toi? Tu le fais exprès ou tu veux m'énerver, c'est ça? Mais bien sûr que oui, que je vais pas prendre mon œil et je vais le jeter dans le capot de la Simca. C'est une image. Je vais pas prendre mon œil comme ça et je vais le jeter dans le capot. Eh, tout à l'heure, quand je vous disais qu'il était teubé, c'était pas une métaphore, hein? C'était pas teubé dans le sens, qu'est-ce qu'il est bête, cet imbécile? C'était teubé dans le sens, qu'est-ce qu'il est bête, cet animal? Jusqu'au jour où un jour, il se promena dehors et d'un coup, ce que j'entends, un étrange phénomène se produisit. Une violente lumière blanche le frappa au visage et ça l'a rendu 10 fois plus intelligent. Regardez. Eh, patron, ça y est, je suis plus teubé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je vous jure, vous avez qu'à me poser une question, tu vas voir. Va donc voir là-bas si j'y suis. Non, vous y êtes pas. Ah, c'est vrai, t'es plus teubé. Comment ça se fait? Il n'était plus du tout teubé. Ça y est, il était 10 fois plus intelligent qu'avant. Grâce à cette lumière blanche, tous les gens du village étaient épatés. Ils étaient tous épatés. Il n'y a pas un mec qui était pas épaté. Ils se disaient tous, quel phénomène. Ils pouvaient répondre à n'importe quelle question. Ils connaissaient avec exactitude le nombre total de la population sud-pakistanaise, par exemple. Ils pouvaient prédire le jour et la date du prochain séisme. Ils connaissaient la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Hey John, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? D'un lit rouge. Rouge pistache? Non. Et t'es redevenu teubé ou quoi? Non! Posez-moi une autre question, tu vas voir. 4 x 4? 29? Non. 27? Non. 42? Non. 1? Non, non. 19? T'y chauffe, t'y chauffe. 21? Merde, je suis redevenu teubé!